الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، آية 11 من سورة البقرة. On est arrivé au ayah 11 de sourate al-Baqarah. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الاستقاء الفساد هو إيش؟ أن ينشر الإنسان المعصية والفسق والفجور والكفر، وهو الخروج عن حال الاستقامة إلى حال العصيان. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، et si on leur dit ne semez pas la corruption, la désobéissance sur terre. قالوا إنما نحن مصلحون. Ils disent nous on fait ça pour la conciliation entre les croyants et les non-croyants. Nous on cherche à ramener une bonne relation entre les croyants et les non-croyants. ولكن فسادهم كانوا أنهم كانوا يميلون إلى الكفار ويمالئونهم ويفشون أسرار المسلمين عندهم. Ces hypocrites, ils étaient des alliés pour les non-croyants. Ils les soutenaient, ils transmettaient les secrets des musulmans chez eux. Et c'était une désobéissance de leur part d'être avec les non-croyants contre les croyants et de leur donner des choses secrètes qu'il ne fallait pas donner. Et lorsqu'on leur a reproché que vous faites ça, ils disent non, on était des gens qui cherchent à... Seulement, on est avec les non-croyants pour faire une bonne relation entre les croyants et les autres. On n'est pas avec eux pour les soutenir, mais pour un peu... établir une bonne relation entre les croyants et les autres. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى a dit que sont les gens par ce qu'ils font, hein, le fait de soutenir les non-croyants, par le fait de donner les nouvelles des croyants aux mécréants, par ça, ils font un croyant, puisque ils le faisaient et ils pensent que eux, ils établirent une, ils cherchent à avoir une relation entre les non-croyants. Et donc, Allah Ta'ala a dit, ils ne ressentent pas. Et comme il dit, وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ هَذَا الَّذِي يَفْعَلُونَهُ ظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ce qu'ils font, c'est une grande injustice d'être avec les non-croyants contre les croyants. هذا ظلم عظيم. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Et si on leur dit de croyez comme les gens ont cru, ils disent ah voulez-vous qu'on croie comme les gens à bas niveau qui ne sont pas intelligents ont cru, vous voulez qu'on fasse, et ils ont décrit les musulmans par as-sufaha, par les gens qui n'ont pas de sagesse et qui n'ont pas de bon raisonnement. فإذن نصحوهم من وجهين أحدهما تقبيح ما كانوا عليه وإذا قيل لهم أنه أنتم ما أنتم عليه ليس حسن. Ce que l'état que vous êtes, c'est pas une bonne chose, c'est une chose mauvaise. هذه واحدة. Parce que vous n'êtes pas sur la vérité. وثانيهما تبصيرهم الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلام. Et le fait de leur montrer de suivre les intelligents parmi les gens qui ont cru. يعني, tout d'abord. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. Si au début on a dit ne pas semer la désobéissance, l'injustice, le mal sur terre.
Ils disent non, on est en train de, on fait du bien, on fait du bien. Et si on leur dit, croyez comme les gens ont cru, et ce qui est voulu par les gens, les intelligents, les sages, les gens qui ont la bonne manière de raisonner, وقيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من هؤلاء الناس؟ ذو الأحلام، ذو الفهم، ذو العقول، ذو البصائر. Si on leur dit de croire comme les gens intelligents qui réfléchissent, qui raisonnent, qu'est-ce qu'ils disent? أنؤمن كما آمن السفهاء. Ils disent, voulez-vous qu'on croie comme ces gens indignes et qui sont pas intelligents et qui sont à bas niveau? فهم نصحوهم من وجهين، تقبيح ما هم عليه وأن يمشوا على ما مشى عليه العقلاء. Ils les ont conseillé de dire ce que vous faites c'est mauvais, c'est pas bien. Et faites comme ceux qui sont dans la droiture, qui ont cherché la foi et qui sont des gens intelligents qui ont choisi la foi. Et فكان جوابهم أن سفهوهم لتمادي جهلهم. Et leur réponse que non, c'est des gens ignorants, ceux qui ont cru, c'est des gens qui n'ont pas de science, c'est des gens ignorants. نسبوا إلى هؤلاء الذين آمنوا الجهل. وفي هذا تسلية للعالم مما يلقى من الجهلة. C'est-à-dire, si tu entends cette ayah, parce que beaucoup parmi les savants, lorsqu'ils leur donnent le bien et blâment le blâmable, ils entendent des paroles très dures. Et par ce qu'Allah a dit dans le Coran al-Karim, ça donne un peu, ça fortifie les savants que c'est comme ça. Il y a des gens toujours à bas niveau, il y a des gens qui sont contre la vérité et ils ne répondent pas par une bonne manière, mais ils répondent par une manière vulgaire et dangereuse ou méprisable. Alors patientez comme les prophètes avant vous et les saints avant vous ont patienté. في هذا تسلية للعالم لتهوين ومواساة مما يلقى العالم من الجهلة في الماضي وفي اليوم وفي المستقبل. Dans l'époque et aujourd'hui, et c'est toujours comme ça. Lorsque les bons musulmans, les vrais savants ordonnent le bien, blâment le blâmable, alors beaucoup, dans plusieurs cas, on répond contre eux par une manière rêche et dure et des fois même des insultes. واللام في الناس للعهد أي كما آمن الرسول معه وهم أناس معهودون أو عبد الله بن سلام وأشياعه كما آمن الناس الناس les gens. Alors là il a dit, ça veut dire c'est des gens bien définis. On parle du prophète Mohammed et ceux qui sont avec lui, ses compagnons, ou Abdullah ibn Salam et ceux qui sont comme lui. Lorsqu'ils ont entendu la vérité, ils ont dit c'est ça, il faut pas la dépasser, il faut la prendre, il faut l'accepter, il faut la suivre, il faut profiter. Et ils n'ont pas laissé derrière leur dos. Hein, certains ont dit c'est le prophète Mohammed et ses compagnons, d'autres encore Abdullah ibn Salam, lorsqu'il a vu le prophète Mohammed et lorsqu'il a entendu le Coran, et voilà, il a su que c'est un homme véridique et le Coran est une parole juste et vraie. أو جعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم. أو on a dit كما آمن الناس, c'est-à-dire les vrais hommes, parce que c'est ça les gens, ceux qui ont cru, qui ont accepté la vérité, et les autres, ils sont à un niveau plus bas, comme les animaux, ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire encore الناس, c'est-à-dire les vrais, les gens qui ont du valeur, du mérite, selon le jugement de Dieu, et les autres qui ont l'aspect de l'être humain, mais qui n'ont pas cru, alors leur niveau il va plus bas que les montures. والاستفهام في قوله تعالى أنهم أجابوا نؤمن للإنكار واللام في السفهاء مشار بها إلى الناس وإنما سفهوهم هم العقلاء أصحاب العقول الراجحة لأنهم لجهلهم اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق وأن ما عداه الباطل. Pourquoi ils ont ces ignorants, ces hypocrites, ils ont dit, ah, voulez-vous qu'on croie comme les gens à bas niveau, dignes, sufaha? Parce que
puisqu'ils croient qu'ils sont sur la vérité, et ils ne le sont pas. Et ils ont cru que ceux qui sont sur la vérité sont dans l'égarement, alors ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils ont dit cette parole parce qu'ils ont croyé les choses à l'envers, qu'ils sont sur la vérité, et ceux qui sont sur la vérité, ils ont cru qu'ils sont dans l'égarement. والسفه سخافة العقل وخفة الحلم. On dit safih lorsque la personne il n'a pas la bonne manière de raisonner, il n'a pas assez de sagesse. On dit safih, c'est quelqu'un qui insulte à droite à gauche, c'est quelqu'un qui n'a pas d'indulgence. On dit safih. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون كما قال في الأول ألا هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال هم هنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Avant il a dit dans l'aïe avant il a dit ce sont ceux qui sèment la désobéissance sur terre et sans se rendre compte, et là il a dit ils sont eux as-sufaha, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intelligence ni la raison qui est en bon état, mais c'est plutôt c'est des gens indignes, c'est des gens qui leur manquent beaucoup de sagesse, mais ils ne savent pas. Il a dit la ya'lamoun, ils ne connaissent pas. لأن السفه وهو جهل فكان فكر العلم معه أحسن طباقا له ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر معرفة. أما الفساد في الأرض فأمر مبني على العادات فهو كالمحسوس. Alors il a dit, là-bas il a dit, ولكن لا يشعرون. Il a dit, ولكن لا يعلمون. Il a dit, parce que tu vois, si on parle de safah, alors c'est une chose qui revient à la manière de raisonner, à la manière de réfléchir, et ils ne savent pas qu'ils sont comme ça. Tu vois, et il a dit, c'est quelque chose dans la langue arabe, c'est quelque chose qui correspond à ce qui était dit avant. Tandis qu'il a dit pour, lorsqu'il a dit Al-Mufsidun fil ard, parce qu'on parle de Al-Iman, on les a appelés Al-Iman et on les a appelés à ne pas semer la désobéissance. Et ça, tout ça, ça a besoin d'une. D'argumentation, de preuves et de chercher pour prouver cela. Et eux, ils n'ont pas cette manière, alors on leur a dit, ils ne ressentent pas. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا نفاقا منهم. Alors, lorsqu'ils rencontraient les croyants, ils disent, on est des croyants, on a cru. Par hypocrisie, ils n'étaient pas des croyants. Lam yakunu mu'minin. Yaqulu lil mu'minin, amanna, istahza'an bihim, wa idha wajahuhum, nifaqan wa ihaman annahum ma'ahum. كانوا يقولون آمنا. Alors pour se moquer des croyants par hypocrisie, voilà. Et إذا لقوا الذين آمنوا, ils disent on a cru. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. Et lorsqu'ils seront avec, il a nommé ceux qui sont pareils à eux. Ceux qui sont pareils à eux, il a dit lorsqu'ils sont avec leur diable. Il a comparé les non-croyants qui sont comme eux dans la mécréance et la désobéissance, ils les ont nommés diables. Ils leur disent, on est avec vous. ومعنى شياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم. Ils sont comme les diables dans leur mécréance. سماهم شياطين لأنهم يماثل الشياطين في الكفر والعصيان. Il les a nommés diables par leur désobéissance, par leur mécréance. لما تقول أنت يعني هؤلاء حالة من لهم حال من البعد عن الصلاح. Ils sont très loin de
la foi et de la croyance. Et il a dit l'origine de mots, shaitan, mais nous, shatana. Shatana, c'est là, il est très loin de du bon état, de salah, il est loin. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني إننا ما نحن مصاحبوكم وافقوكم، نحن على ما أنتم عليه. Et lorsqu'ils sont avec ceux qui sont pareils au diable, c'est-à-dire les non-croyants, ils disent nous sommes avec vous, on est d'accord avec vous, on dit ce que vous dites, on est en conformité avec votre croyance, votre attitude. هكذا. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. يعني نحن على دينكم موافقون موافقوكم. On est sur votre religion, on est d'accord avec vous. إنما قالوا إنما نحن مستهزئون. Alors, on est lorsqu'on va là-bas et on dit voilà, on a cru, on le dit pour se moquer. On le dit par moquerie et dédain. On ne dit pas par foi et par croyance. وهذا معناه ايش؟ رد للاسلام، نحن قال مستهزئون اي نرد الاسلام لا نقبل به، نحن لا نعتقده بل نشحده وننكره، يعني لما يقول مستهزئون فيه يتضمن انهم لم يعترفوا بحقية هذا الدين وأنهم ردون لهذا الدين. Ça veut dire ces gens-là, ils n'admettent pas que l'islam est une religion agréée, ils ne l'acceptent pas, ils ne l'acceptent pas. لأن مستهزئ بشيء منكر له. Celui qui se moque d'une chose, il le renie, il ne l'accepte pas, il ne croit pas. Lorsqu'il se moque d'une chose, ça veut dire il n'est pas, il ne croit pas à ça. إذا إن قالوا إنما نحن مستهزئون قال تعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم الله يستهزئ بهم ليس الاستهزاء بمعنى الذي يكون بحق المخلوق كما قال بعض العلماء قال لا يجوز الاستهزاء بالمعنى الحقيقي لا يجوز لأنه من باب العبث والله تعالى منزه عن ذلك إنما المراد الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم واستعمل هذا اللفظ باب المقابلة هذا يقال استعملت اللفظ هذا لأنه جاء بمعنى يستهزئون بالمؤمنين قالوا إنما نحن مستهزئون فقيل الله يستهزئ مقابل هذا اللفظ ولكن بمعنى إيش؟ معنى آخر وهو الجزاء على الاستهزاء Alors c'est un style dans la langue arabe que on a utilisé le mot dans un sens. Ici, eux, ils ont dit on se moque. On dit ça pour se moquer. On est avec eux pour se moquer. Et Allah a dit Allahu yastahzi'u bihim. Le mot yastahzi', mot à mot, ça veut dire se moque. Mais c'est ça, c'est pas ça qui c'est pas le sens apparent qui est voulu, le sens réel du mot, mais plutôt le fait de châtier et préparer un châtiment pour leur moquerie. Et c'est un style dans la langue arabe, le fait de répéter le même mot, le même presque le même origine du mot dans un autre sens. مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا عليه هنا ليس هو ليس الأول معتدي أما الثاني يكافئه على الاعتداء بأن يعامله بمثل ما عامله فقوله تعالى فاعتدوا أي جازوه على ما فعل عاملوه بمقتضى ما فعل أو قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني إيش سماها سيئة وهي مجازات على هذا العمل Alors, je reviens que lorsqu'il a dit fa'tadou alayhi, ce n'est pas faites une injustice envers lui, mais plutôt vous pouvez le punir sur son injustice. Mais il a nommé ça i'tadou, c'est-à-dire amilou, comme il mérite sur son injustice.
وهنا يعني ننتبه انه ان هذا والله خير الماكرين ويستهزئ بهم ونحو ذلك، ان هذا استعمل اللفظ بمعنى اخر، فلا نسمي الله مخادع ولا نسمي الله، لا نقول له يا مستهزئ، لا نقول له يا مخادع. On dit pas après Allah Ta'ala il s'appelle al-mustazi ou il s'appelle al-mukhadi' لأن جاء هذا في سياق المجازات على الاستهزاء والمجازات على المكر بإعداد العقوبة، وفي السياق في اللغة العربية يجوز استعمال هذا اللفظ بمعنى آخر، وهو المجازات على هذا الاعتداء، المجازات على هذا الاستهزاء، المجازات على هذا المكر. قال تعالى إذن الله يستهزئ بهم بمعنى أنه عد لهم عقوبة على استهزائهم. الله prépare un châtiment contre leur moquerie et mépris envers les musulmans. قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم يمهلهم. يمدهم في طغيانهم. الله تعالى leur donne un délai. وبعض الأحيان الله تعالى يعطيهم إيش الصحة والمال فيزيدون، والله سبحانه وتعالى هو المعين على الخير والشر. ويمدهم الله تعالى il leur donne un délai. Et même des fois ces gens-là tu trouves ils ont les moyens, ils ont la bonne santé, ils ont une longue vie, ils ont assez d'enfants, ils ont assez derrière pour que Allah Ta'ala fait ça pour qu'ils auront plus de châtiments dans l'au-delà. Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est lui qui aide les créatures pour le bien et le mal, c'est-à-dire qui crée en nous l'acte de l'obéissance et l'acte de la désobéissance. Lorsqu'il crée l'acte de l'obéissance, on le nomme guidé, tawfiq. Et lorsqu'il aide pour la désobéissance, on dit humilié. Il l'a humilié, humiliation. فإذا فلما يعين الإنسان هذا الرجل على الخيرات يعطيه مال يعطيه صحة ويعطي عافية ويوسع له في العمل الصالح فيصير ينفق ويقيم الليل ويفعل، الله تعالى إيش وفقه أعانه على الخير، وذاك الله تعالى خذله، الله خذله وأعطاه صحة ومالا وعافية وعمرا طويلا فاستعمل كل هذا في العصيان، فنقول هذا عبد مخذول خذله الله. وهذه الآية ويمدهم في طغيانهم يعمهون دليل لأهل السنة على أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعالنا وبمشيئته تحصل أفعالنا، لأن المعتزلة قالوا لا الله ما خلق شيئا من أفعالنا، الله ما قدرها. ما معنى ويمدهم؟ كيف أفدير يمدهم؟ il leur donne un délai, il les laisse dans la vie et il leur donne les moyens. Avec leur injustice, يعمهون, alors ils persistent aveuglement dans la désobéissance et la mécréance. يعني ويمدهم أي يمهلهم عن في طغيانهم في غلوهم وكفرهم. الطغيان هو المجاوز للحد، الكفر مجاوزة للحد، الظلم مجاوزة للحد. Il dépasse les limites que soit par la mécréance et par l'injustice. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها واختاروها عليه. Ce sont les gens qui ont remplacé la guidée par l'égarement. Ils ont remplacé la guidée au lieu de chercher la guidée. Ils ont pris l'égarement. Au lieu de chercher la guidée, ils ont pris l'égarement. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوها واختاروها. قال تعالى الهدى معروف، الهدى هو الإيمان والعمل الصالح. La guidée c'est la foi, la foi, la bonne croyance, les œuvres de bien. الضلالة هي إيش؟ اختيار الكفر والظلم والعصيان. L'égarement c'est le fait de choisir la mécréance et la désobéissance. الجور الظلم واخطر الظلم
الكفر والكافرون هم الظالمون le plus grave de toute désobéissance et de toute injustice c'est la mécréance. قال تعالى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارة ils n'ont pas gagné avec ce commerce ouais, celui qui vont la guider pour avoir l'égarement quel gain فما ربحت تجارتهم الربح الفضل على رأس المال والتجارة صناعة التاجر وهذا الذي يبيع ويشتري للربح طب احنا وهذا اي شيء ربح لو كوميرسون il vend il achète il va loin il achète il vient et qu'est-ce qu'il cherche il cherche le gain mais celui qui a vendu l'a guidé pour avoir l'égarement quel il a fait un échange mais avec une grande perte avec une grande perte فما ربحت تجارتهم لانه وقع اشترى الضلال وترك الهدى اشترى الضلال وترك الهدى مثل يعني واحد كيف تعطي مثال اشترى أو باع الآخرة بالفانية باع الباقية بالفانية أي ربح هذا؟ celui qui a vendu l'au-delà pour avoir ce bas monde quelqu'un باع كل شيء بلا شيء il a tout vendu il a vendu tout qui est le tout là l'au-delà pour avoir rien جناح بعوضة ne vaut pas l'aile d'un moustique comme une goutte d'eau par rapport à l'océan il a dit prends-toi l'océan je prends la goutte d'eau et à peine n'enlève ni soif ne refroidit rien une goutte d'eau qu'est-ce qu'elle peut faire ما بتعمل شيء قطرة ماء الدنيا أمام الآخرة كالقطرة أمام البحر من حيث الوقت ومن حيث قدر التناعم كان يعني لا شيء قال تعالى وما كانوا مهتدين لطرق التجارة كما يكون التجار العارفون العالمون المتصرفون بما يربح فيه وكيف يترك الخسارة وما كانوا مهتدين ils n'étaient pas dans ils n'étaient pas dans avec les personnes qui sont dans la guidée ou qui sont guidées pourquoi parce que ils savent pas Ils n'ont pas su comment faire le commerce gagnant et ils n'ont pas bien agi pour avoir le bon gain comme un bon commerçant. Un bon commerçant, il regarde, il cherche où gagner, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut délaisser. Celui qui maîtrise, qui connaît, hein, et tu le trouves. Après, à un certain moment, tu trouves qu'il est dans un bon état. Et ces gens-là, ils n'étaient pas parmi ceux qui ont fait le bon commerce. Parce qu'ils ont acheté l'égarement au lieu de la guider. هو بالتجارة تريد رأس المال أن يبقى مع الربح. هذول أضاعوا المال والربح. Dans le commerçant, il faut toujours garder le capital et chercher un gain au-dessus du capital. Et ces gens-là, ils ont perdu le capital déjà et il n'y a pas de gain puisqu'il n'y a plus de capital non plus. ما في لا ربح ولا رأس مال ذهب كله وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية لأن الضال خاسر même si dans le bas monde ces gens là ils ont pu obtenir un peu d'or un peu d'argent une maison là une voiture ici oui mais ça c'est comme je viens de dire comme l'aile d'un moustique لا تساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا كلها لا تساوي عند ربنا قشرة بصر ne vaut pas la peau de l'oignon le bas monde كيف أرجع في الحديث أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم يعني ce qui est dans le bas monde c'est une chose maudite Et à part le fait de chercher à la science et pratiquer cette science, apprendre et enseigner, c'est-à-dire, sauf le fait d'agir dans le bien. Donc, quelle chose elle peut être profitable si ça n'a pas été dans le fait de savoir chercher à connaître pour bien pratiquer.
قال سيدنا علي: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. Il a dit سيدنا علي: le bas monde ce n'est qu'un cadavre et ceux qui la cherchent sont les chiens. الدنيا جيفة وطلابها كلاب. شوف كيف يتقاتلون عليها كالكلاب. Regarde comment ils se battent pour le bas monde comme des chiens. أما الذي يراها على حقيقتها إذا أقبلت عليه خاف منها وإذا أدبرت عنه قال عليك وعلى أهلك العفاء في راحة. Les intelligents, lorsque le bas monde vient vers lui, il se méfie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose de grave. Je ne veux pas être dans la fitna. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans la fitna à cause de ça. Et si le bas monde fuit de lui, il dit voilà, tant pis, vas-y, sois loin, je n'ai pas besoin de toi. ابن آدم بطنه شبر في شبر إيش يحتاج؟ قليل من الطعام يكفي. فيز دو آدم سون فونتر سون استوما سي ان امبون. المعدة سي موان كو ان امبون. ان بيتيت شوز سا لوي سوفي. يالو حتى يعني في النوم بو دورمير تو ا بيزوان جوست ان ماتلا دو 60 70 سنتيمتر سور 1 متر 90. Voilà, avec une couverture. Alors si la personne elle fait un lit 6 mètres sur 4 mètres, il ne va pas tourner toute la nuit parce qu'il veut dormir sur tout le lit. Et il n'arrive pas surtout avec le froid. Il faut qu'il tienne bien à un endroit parce que c'est là où il s'échoue. Il ne faut pas qu'il tourne trop parce qu'il fait froid. Et ça arrive de l'ouahda, il y a un âme à ça. T'as 4 kilos de lahm. Lahm jamal, lahm d'am, lahm asafir, ou lahm samak. Ma fik tokolo. ما فيك. وأربع أنواع سلطة وأربع أنواع أشربة وأربع أنواع دسر. ما فيك بصير تتطلع وتتوجع. Un certain moment ça fait du mal. C'est pour dire que si tu prends quatre sortes à manger de viande, quatre sortes de salades, quatre sortes de boissons, quatre sortes de desserts, tu peux pas manger tout ça. Tu regardes et tu dis non, je veux pas faire du mal. Alors ton estomac vraiment il est peu et tu trouves de beaucoup de plaisir lorsque tu as faim et tu manges. لحم لذيذ بس إذا صار لك يومين ثلاثة ما أكلت لحم بصير ألذ. الماء شربه لذيذ بس إذا بعد 12 ساعة و 15 ساعة بيصير ألذ. أما إذا كان كثير بعض الأحيان ما بتقعد تشعر باللذة. Des fois lorsque tu as beaucoup, alors tu trouves pas assez de plaisir du fait que tout ça à la portée. Mais une fois que tu es privé de ça et tu trouves de plaisir. والمثال اللي اعطيتكم انه واحد بده عنده اموال طائله، شو بتعمل فيها؟ بعض الناس ما بيعرف المسكين، ما بيعرف كيف يعطي للفقراء والمساكين وفي سبيل الله، ما بيعرف. فبالتالي بخزن ويريد ان يتنعم. لو عملت بيت في ناس بيعمل لك قصر كذا غرفه وكلك. بعدين ما فيك تقعد فيه كله، ما فيك تقعد كل غرفه ساعه. Si tu fais un grand château et tu as fait 20 chambres, 10 toilettes, 3 saunas, et après tu ne peux pas utiliser tout ça. Tu ne peux pas, parce que pour être tranquille, il faut être dans un coin et rester stable. Dans le lit, ma fille peut t'entraîner d'un مكان إلى مكان, et ne pas t'احرص على مكان. واحد ليكون دافئ فيستقر منه. الحاصل نرجع نقول أنه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين لأنهم باعوا كل شيء بلا شيء واشتروا الضلالة بالهدى. Ils n'ont pas gagné, on dit ça, ils n'ont pas gagné parce que ils ont vendu le tout qui est l'au-delà, le paradis, contre rien du tout. Et ils ont acheté l'égarement au lieu d'avoir la guidée. Alors ils ne sont pas des bons commerçants et leur commerce qu'ils ont fait, c'est pas gagnant. Et ils ne sont pas parmi les gens qui sont dans les connaisseurs comment faire le commerce et ils ne sont pas dans la guidée. Allah Ta'ala yu'tina amthila. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Allah Ta'ala nous donne l'exemple de ces gens-là, l'exemple de celui qui a mis le feu. الذي استوقد نارا. وهذا المثال يوضح لك. Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, nous a donné dans plusieurs sourates des exemples pour que ce qu'il nous a donné comme ordre, comme conseil, tout ça, pour qu'il soit très clair lorsque tu imagines la chose avec un exemple. Vous allez voir.
قال تعالى: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Celui qui a mis le feu, et lorsque le feu lorsque le feu est allumé et qu'il a donné une certaine lumière autour de lui, Allah Ta'ala a pris toute la lumière et il a enlevé complètement la lumière. C'est l'exemple de celui qui a délaissé la guidée pour prendre l'égarement, comme celui qui avait un feu, alors il a délaissé le feu et il a été remplacé par les ténèbres et l'obscurité. فإذن الأمثلة هي زيادة في الكشف وتتميما للبيان. Pourquoi les exemples? C'est pour éclaircir encore la chose et pour que la chose soit complètement découverte et bien comprise et que la clarification est complète. ولضرب الأمثال في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق تأثير ظاهر. Par le fait de donner des exemples pour enlever toute ambiguïté et toute chose cachée et faire montrer la vérité, vraiment un grand effet. شوف سورة تبارك الذي يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. Celui qui marche et baisse la tête et ne voit pas devant lui, peut-être il touche le mur et l'arbre, et celui qui est tout droit, il voit où mettre les pieds, où avancer. Et c'est ça l'exemple de l'égaré, c'est ça l'exemple qui est dans la droiture. Ça c'est un exemple que Allah Ta'ala a donné. J'ai vu une fois même en Palestine, là il y avait des gens juifs qui cherchaient ces exemples dans le Coran le Karim et l'exploitaient, ils tiraient profit de ça. Nous pardon, il dit, nous بحث في كل هذه الأمثلة التي أعطاها الله تعالى في القرآن الكريم يعني ليستفيد من معانيها العظيمة. ولقد كثر في ذلك الأمثلة في الكتب السماوية من الإنجيل نزل على عيسى والتوراة التي على موسى. Alors il y avait dans les livres révélés, il y avait beaucoup d'exemples encore dans ce qui était révélé aux prophètes précédents, à Jésus alayhi salam. Il y avait beaucoup d'exemples que Allah a donné encore. وكما الله تعالى ضرب قصة البستان, il a donné l'exemple de ceux qui avaient le verger dans plusieurs sourates dans le Coran. On a vu des choses comme ça. قال تعالى فلما أضاءت ما حوله الإضاءة فرط الإنارة. يعني الإضاءة, le fait d'avoir une lumière splendide, une lumière bien éclairée. قال تعالى فلما أضاءت ما حوله, c'est-à-dire c'était une lumière assez forte qui a donné une grande lumière autour de lui, de celui qui a mis le feu, et que grâce à ça il avait une très bonne lumière autour de lui. قال تعالى ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم. Allah Ta'ala a pris complètement la lumière, et il a utilisé le mot nour pour dire il ne restait plus rien, il ne restait plus rien dans le feu qu'il a mis. والنور ضوء النار وضوء كل نير ومعنى أذهبه الله أزاله وجعله ذاهبا. يعني il l'a enlevé, comme je dis, j'ai dit, il l'a enlevé complètement. قال تعالى وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Et il les a laissés dans des ténèbres, dans des obscurités, ils n'arrivent pas à voir. Ils n'arrivent pas à voir. هذا المثال الذي, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de ceux qui ont cherché, ils ont échangé la guidée par l'égarement. Alors, il a dit qu'ils n'ont pas réussi, ils ont perdu dans leur commerce, ils n'étaient pas dans la guidée. Et au début, il a dit que ces gens-là, lorsqu'on les a conseillés de ne pas semer la désobéissance,
et de ne pas jouer le rôle de l'hypocrite, voilà, et être des alliés. Ils ont dit non, 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 on est en train d'agir dans le bien, établir un accord entre les croyants et les autres. Et si on leur dit, mais croyez comme ils ont cru, les gens sages, là, ils disent non, vous voulez qu'on fait comme ceux qui sont à bas niveau et qui ne réfléchissent bien, qui ne réfléchissent pas bien, ils ne raisonnent pas bien. Et lorsqu'ils les voient, les croyants, après, ils disent, on est avec vous. On est avec vous. Et lorsqu'ils sont avec ceux qui sont pareils à eux dans la mécréance, ils disent, on est avec vous. Tu vois, et pour les croyants, ils disent, on a cru, mais ils le disent pour se moquer. Et lorsqu'ils sont avec les autres, ils disent, on est avec vous, on est seulement, on se moque d'eux. Allah Ta'ala a dit que ces gens-là, ils sont perdus. Aoulaï halakou, aoulaï khassirou. Qala Ta'ala, tarakum fi dhulumatin la yubsirun, summun bukmun umyun, ayhum summ. Qui veut dire celui qui est sourd, celui qui est muet et celui qui est aveugle. هن لما كانت حواسهم سليمة ولكن ما انتفعوا بها. Lorsqu'ils avaient les yeux, ils avaient la langue, la bouche et ils avaient les oreilles, puisqu'ils n'ont pas entendu la vérité, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas vu la vérité et ils l'ont accepté. Ils n'ont pas dit le bien dans leur langue. Ils ont tout fait à l'envers. Allah Ta'ala les a comparés avec qui sont sourds, aveugles, muets. بما أنهم ما انتفعوا بهذه الحواس السليمة. الإنسان بالأذن يسمع الحق فيتبعه، يرى الحق فينصره ويمشي معه، يمكنه أن يقول الصواب فيقوله، فهم استعملوا هذه الحواس بضد المصلحة لهم. فالله تعالى قال صم بكم عمي. فإذا لكن لما سدوا مسامعهم عن الإصغاء للحق وأبوا أن ينطقوا بألسنتهم بالحق وأن ينظروا أو يتبصروا بعيونهم إلى الحق جعلوا كأنما كالذي ليس له هذه الحواس كالأصم كالأبكم كالأعمى. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، معناه لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ça veut dire il ne revient pas à la guider. Une fois qu'ils l'ont vendu pour avoir légalement, il ne revient pas par la suite à la guider. وهو أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكانهم لا يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون. Alors il a dit, il les a comparés à ceux qui sont perdus, que à ceux qui sont comme des murs, comme des pierres qui ne bougent pas, et ils n'ont pas su qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors ils n'ont pas reculé pour retourner à la guider, mais ils ont resté sur cette mauvaise état, le fait qu'ils ont accepté l'échange de l'égarement à la place de la guider. Nasallallahu ta'ala al-afwa wal-afiyah wa husn al-khitam. بعد ذلك الله تعالى يعطينا مثال لهم أيضا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أيضا الله تعالى ندون par الآية qui suit 19 un autre exemple à ces gens-là qui ont choisi l'égarement au lieu d'avoir la guidée. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.